Je suis né à 7 mois. Et c'est la fruitière du rez-de-chaussée qui a accouché à ma mère. Ma mère avait rencontré mon vieux au Moulin de la Galette, pof, un tour de valse, et puis voilà. Un coup de traversin, et voilà le popole qui est venu au monde. Écoutez, la rue de Pic, tout de même, c'est la rue... C'est un peu la colonne vertébrale enfin, du quartier. Elle est un peu tordue, mais enfin, elle part de la place Blanche jusqu'au Sacré-Cœur. Hein. J'avoue que pour être une gouverne de la rue de Pic, c'est vache. Hein. Il y a eu Van Gogh qui habitait là. Il y a eu Courteline qui habitait là. Au lieu d'être né au 96 sur le Pic, si j'étais né à Plougastel, ça aurait été une affaire. Parce que j'aurais été une gloire de Plougastel, mais une gloire de la rue Pic, ça marche pas. Tu comprends? Et le soir, à ma fenêtre, dans l'espoir que peut-être, dans les bras d'un autre, un jour tu souffriras, et que vers moi tu reviendras. Jean-Paul ne serait probablement pas devenu peintre s'il n'était pas ressorti infirme de cette première guerre. Et la peinture de Jean-Paul ne se serait pas montrée si pleine de vie s'il n'avait pas manqué de perdre la sienne. Quand Ferdinand m'avait mis sur dans ses bouquins, la Bagatelle, moi j'ai été boycotté pendant 10 piges, hein, pendant 10 ans, j'ai pas vendu un tableau à cause de lui. Puis à la Libération, ils voulaient me fusiller au nom de Céline, alors c'est pas marrant. Alors c'est là où j'ai monté la fanfare pour montrer que j'étais là, quoi. Puis j'avais peur de rien. Ça m'intéresse pas et l'avenir pas plus. Mais non, je crois que tu es en train de me passer au peigne fin en ce moment, non? Du reste, quand je vois arriver le jour, moi, ça a une grande importance pour moi. Tu vois, je fais toujours ma toilette le soir. Je tiens toujours à avoir des draps propres. De manière, si je me réveille pas le lendemain, que je sois en état, que je sois correct. Mais la journée que je la garde pour moi, tu comprends? Je l'emploie bien, je veux pas qu'on me la prenne.